Vous êtes ici dans le musée l'histoire de Rosny-sous-Bois et particulièrement dans la salle des Zouaves. Alors qu'est-ce que c'était des Zouaves? C'était donc en 1830, le 1er octobre, a été constitué des régiments pour que les Français aillent en Algérie, envahir l'Algérie. Et donc on s'est allié avec une tribu kabyle des guerriers qui s'appelait les Beni Zouaves. Mais ça, c'est un terme qui était trop long à dire pour les Français, on les appelait les Zouaves. Et donc, à Rosny-sous-Bois, le gouvernement de l'époque a dit qu'il fallait utiliser les forts qui avaient été créés autour de Paris, parce que c'était laissé à l'abandon. Donc, de 1901 à 1920, il y a plus de 1000 soldats qui sont venus au fort de Rosny pour faire ce bataillon, qui est le 5e. Qui a participé à plusieurs opérations dans l'Île-de-France, avec des défilés et manœuvres, surtout par exemple en 1910 lors des inondations, ils ont fait la chasse aux pillards, qui venaient piller les pavillons le long de la Marne. Autre chose aussi, quand on a fusillé Matahari dans les fossés de Vincennes, pas du château, mais de la cartoucherie. C'est les sous-officiers du 4e Zouave, 12 sous-officiers qui ont fusillé Matahari. Donc il y en avait 11, puisque le 12e va être Barga Blanc. Donc on ne sait jamais qui est-ce qu'il y avait. Et donc, pendant qu'ils ne faisaient pas leur travail de soldat, les Rosnéens les employaient dans la commune en tant qu'ouvriers agricoles, puisque Rosny, à l'époque, ce n'était que des bergers, de la vigne, différentes cultures. Les Rosnéens avaient donc des gens qui travaillaient à prix réduit, mais les soldats étaient contents parce qu'ils augmentaient leur solde. Donc ça développait une chose, bon, ça c'est entre guillemets, ça développait les cafés à Rosny. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, en 1902, vous aviez 3764 habitants à Rosny, au recensement de 1902, et il y avait plus de 1000 soldats à Rosny. Donc une personne sur 5 était un militaire. Donc, comme on dit, tous les 15 mètres, vous aviez un café. Et en 1914, en revenant avec 1914, ils ont participé à tous les faits d'armes, que ce soit Verdun, la côte 304, l'Isère, enfin, la bataille de la Marne, et ainsi de suite. Hein. Toutes les batailles sont marquées sur le drapeau. Donc l'expression « faire le Zouave », ça vient donc de l'époque 1914. Les Zouaves qui avaient encore des tribus kabyles dans leur rang, faisaient des danses kabyles quand ils venaient en permission à Paris ou dans les grandes villes de France. Et la bonne société française, entre guillemets, voyant ces gens danser entre eux, les hommes qui dansent entre eux, un peu comme les Grecs, je disais, ils font les Zouaves. Et c'est là qu'est venu faire le Zouave. Comme il y a une autre expression, c'est être un bleu. Mais l'origine, ça vient donc du changement de tenue en novembre 1915, des soldats Zouaves et autres, puisque l'infanterie aussi avait un pantalon garant, c'est comme les Zouaves, quand ils sont venus en permission à Paris, ils ont pris la nouvelle tenue, qui était façon bleu horizon, parce que, bien sûr, avec cette couleur-là, on les voyait très loin, un fusil allemand, pour ne pas oublier, ils portaient 2 km à l'époque, le Moser. Et donc, ils se pensaient qu'il y avait énormément de massacres. Et donc, quand ils sont revenus de leur permission sur le front, les autres qui étaient déjà sur place, toujours avec l'ancien costume, ont dit « voilà les bleus ».